The Sermon, The Unwelcomed Christ, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday afternoon, August 28, 1955, in Lausanne, Switzerland. This message was translated into French when Brother Branham originally recorded this message in 1955. Ce sermon, intitulé « Le Christ sans bienvenue », a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche après-midi 28 août 1955 à Lausanne, en Suisse. Ce sermon était traduit en français directement lors de cette réunion. Bon après-midi, chers amis. So happy to be out this afternoon. Je suis si heureux d'être ici cet après-midi. We're having showers. Nous voyons de la pluie. May we have showers of blessings inside. Et que nous ayons de la pluie de bénédiction à l'intérieur de nous. I am very happy to be here this afternoon. Je suis si heureux d'être ici cet après-midi. I just love to talk about the Lord. J'aime tant parler de l'Éternel. And my interpreter is getting better. Mon interprète s'améliore. He did a good job. Oui. Vous l'avez compris en anglais. I got him on that one. Oui, je l'ai attrapé par ça, n'est-ce pas? It sure has been very good. All. We appreciate that. Nous l'apprécions beaucoup. I'm going to learn to speak French too. Je vais m'efforcer d'apprendre le français aussi. You know the strange thing was? Vous savez, la chose étrange est celle-ci. I heard a baby crying this morning. J'ai entendu un bébé qui pleurait ce matin. And it was crying in English. Et ce bébé pleurait en anglais. And I seen a little German dachshund. Et j'ai vu un dachshund allemand, un chien. And he barked in English. Et il a aboyé en anglais. I heard some people laughing. J'ai entendu des personnes qui chantaient. And you all laughing. Non, qui riaient. Et qui riaient en anglais. That's all the same everywhere. C'est la même chose partout. All those guys at Babylon. Those guys from Babylon. Ah, ce sont des choses qui viennent de Babylone. Cette dispersion des langues. They mixed us all up. Ils ont tout mélangé. Ils nous ont tous mélangés là-bas. Well, we sure have enjoyed this time of fellowship. Et vraiment, nous avons eu beaucoup de joie dans ces moments de communion. I always like a Sunday afternoon meeting. J'aime toujours beaucoup une réunion de dimanche après-midi. Because it gives me a time to speak and relax. Car cela me donne l'occasion de parler et en somme de me reposer. When I come in at night time, lorsque je viens vers le soir, I usually go into prayer along about 2 or 3 o'clock in the afternoon. Généralement, je commence à prier vers 2 ou 3 heures de l'après-midi. And I just keep praying. Et je prie, je continue à prier. And believing that he's close to me. Croyant qu'il est tout près de moi. And then I see that light come in the room. Et alors je vois cette lumière qui entre dans la chambre. Then no one don't talk to me no more. Et alors que personne alors ne me parle plus. Those who come after me. Ceux qui viennent après moi. Just come in and get me. Entrent et viennent me chercher. And I come right to the platform. Et je viens jusqu'à l'estrade. And standing in the platform. Et me tenant debout sur l'estrade. Many times I see things happen. Souvent j'ai vu des choses se produire. Before it even takes place. Avant même que cela ne se produise. That is in the natural. Et cela est dans le naturel. Wish I could just speak your language. Oh, si seulement je pouvais parler votre langue. You've got a wonderful faith. Vous avez une foi merveilleuse. But I can't say those French words. Mais je ne puis prononcer ces paroles françaises. If I could. Si je le pouvais. Oh, it'd be so much better. Oh, ce serait tellement mieux. But I can't. Mais je ne peux pas. I see people being healed. Je vois des personnes qui sont guéries. They, I know what their name is. Je sais quel est leur nom. But I can't speak it. Mais je ne peux pas le prononcer. And I see places they are from. Et je vois les lieux d'où ils viennent. But it's all wrote in different languages. Mais c'est tout écrit dans des langues, dans une langue que je ne connais pas. I can't say it. Je ne peux pas prononcer ces noms. So I can't tell the people. Alors je ne peux pas le dire à ces personnes. I just have to point. Il faut simplement que je désigne du doigt. And sometimes that way. Et quelquefois de cette manière. If it takes quite a little while, si ça prend un certain temps, for the person to recognize, pour que la personne le reconnaisse, the vision's moved over to somebody else. La vision a quitté cette personne pour aller vers une autre. So you can see how much difficult it is. Alors vous voyez combien c'est difficile. But we know he's here. Mais nous savons qu'il est ici. That's the main thing. C'est la chose principale. Amen. Amen.
I love you very much. Je vous aime beaucoup, chers amis. And your faith has been a wonderful thing to me. Et votre foi a été pour moi comme une chose merveilleuse. Now I want to say a little word to these here on these cots and stretchers. Je voudrais dire quelques paroles à ceux qui sont ici sur ces brancards et dans ces voitures. I've been watching a little lady. J'ai regardé une certaine dame, une jeune femme. Each night. Chaque soir. She's been here every night. Elle est venue chaque soir. The woman has been so close to being healed so many times. Cette jeune dame a été si près d'être guérie si souvent. But you see, I can't tell her that. Mais je ne peux pas lui dire cela. Until God has already showed that it's done. Jusqu'à ce que Dieu m'ait révélé que la chose est accomplie. Because it wouldn't be right. Car ce ne serait pas juste. See? And you watch. Et regardez ceci. The healings always first is thus saith the Lord. Les guérisons sont toujours précédées par ainsi parle l'Éternel. Now you watch. Alors, si vous voyez, si while vous regardez, going on, pendant que la vision parcourt, I'm just speaking of what I see. Je parle seulement de ce que je vois. I'm watching something. Je suis en train de regarder quelque if chose. You'll notice, it'll go way back in a person's life. Si vous voulez bien examiner la chose, and vous verrez que ça va très loin dans la vie d'une personne. And see them as a little child. Et je les vois comme un petit enfant. And it'll tell them things that they've forgotten years ago. Pour leur révéler des choses qu'ils ont oubliées depuis des années. Watch them. You'll see him say, oh, regardez, vous les verrez dire, ah, they'd forgot it. Ils l'avaient oublié. But here it is coming up. Mais voici, la chose vient. And then it'll come on up to this time. Et elle viendra jusqu'à notre époque. Then if it stops, et si ça s'arrête, that's all I know. C'est tout ce que je sais. Then if it starts again, et si cela recommence à nouveau, and shows what the future will be, pour montrer ce que sera l'avenir, you'll hear say, thus saith the Lord. Vous m'entendrez dire, ainsi parle l'Éternel. Of course, Brother Bosworth and him explained that to you. Bien, notre frère Bosworth vous a certainement expliqué cela. It's inexplainable. Cela est inexplicable. You can't explain God. Vous ne pouvez pas expliquer Dieu. You just got to believe it. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de le croire. Amen. Someone comes to my mother not long ago. Quelqu'un est venu vers ma maman il y a quelque temps. And said, Miss Branham. Elle a dit, Madame Branham. I would like to ask you something. J'aimerais vous demander quelque chose. That is about your son Billy. À propos de votre fils Billy. She said he's just as much mysterious to me as he is to you. Elle dit que il est aussi mystérieux pour moi, dit ma maman, que il l'est pour vous, aussi mystérieux pour moi que pour vous. So they went up to my wife. Alors ils sont allés vers ma femme. Said, Sister Branham. Sœur Branham. Said, what about Billy? Mais qu'en est-il de Billy? She said, no one knows. Elle a dit, personne ne le sait. Said he'll be sitting here in the house. Par exemple, il serait ici assis dans la maison. A house full of people. La maison pleine de gens. Praying for people. Priant pour des gens. And he'll leave. Et tout à coup, il s'en irait. And we won't hear from him for two or three days. Et nous n'aurons aucune nouvelle de lui pendant deux ou trois jours. Then it might come out in the paper or something. Alors, il se peut que nous disions dans le journal qu'il a été envoyé très loin, up in a mountain, dans la montagne, or some other city, ou dans une autre ville, and some cripple has been et quelque infirme recroquevillé a été guéri. See, I don't understand it. Moi, je ne le comprends pas moi-même. I just follow him. Je me contente de le suivre. I don't try to understand it. Je n'essaye pas de le comprendre. Really, I don't want to understand. Vraiment, je ne veux pas le comprendre. Il me suffit, j'aime tant simplement croire, oh, what a victorious life. Sachant quelle est la vie de victoire. What a satisfaction. Quelle satisfaction to know que de savoir that I have eternal life. Que j'ai la vie éternelle. And all my loving friends et que tous mes amis qui aiment, who love him, qui l'aiment lui, and have been born again, et qui sont nés de nouveau, they have eternal life. Eux ont la vie éternelle. And we're going to meet again. Et nous allons nous rencontrer à nouveau. And all the old people, et tous les âgés, les infirmes vont être changés and go back young again. Et vont redevenir jeunes. Amen. Amen. That's what the Bible teaches. C'est ce qu'enseigne la Bible. Quand je reviendrai à nouveau, I want to teach on those things. Je désire enseigner sur ces choses. I can prove you, Dad and Mother, je puis vous prouver by God's word, par la parole de Dieu that someday, qu'un jour, Mother, ma mère, with her gray hair, avec ses cheveux gris, Father, with his stooped shoulders, père avec ses épaules arrondies, will be changed, seront transformées and she'll become a beautiful young girl again, et qu'elle redeviendra une belle jeune fille. And him a strong young man. Et lui, un fort jeune homme. And it'll never change. Et ils ne changeront jamais. Death has brought you where you are now. C'est la mort qui vous a amené là où vous êtes. But the only thing death can do, mais la seule chose que peut faire la mort, take you out of this life, c'est de vous prendre de cette vie. When you return, lorsque vous revenez, you'll not be like that. Vous ne serez pas comme cela. You'll be beautiful forever. Vous serez beau à jamais. Amen. Amen. Oh, what a
hope. Oh, quelle espérance. That's the Bible. C'est la Bible. Thus saith the Lord. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. I love him. Je l'aime. So now, we want you all to be of a real good courage. Nous voulons que vous preniez courage. Now, one word to these here. Un mot à ceux qui sont ici. I want to talk to you. Je désire vous parler. Believe me, will you? Croyez-moi. Voulez-vous me croire? Now you watch. Regardez maintenant. Just now and then. De temps à autre. You'll find a crippled person get up and walk. Vous verrez une personne infirme se lever et marcher. Why is that, you say? Pourquoi est-ce, dites-vous? Now the world, le monde, is watching you. Vous regarde. They have to see miracles. Ils veulent voir des miracles. Because they're unbelievers. Car ce sont des incrédules. Now here's the reason that you don't see more cripples healed than you do as other things. Voici la raison pour laquelle vous voyez moins d'infirmes guéris que d'autres malades. For instance, a man is having a toothache. Par exemple, l'homme qui souffre d'une maladie, d'une douleur de dent. Or maybe have a little fluttering at his heart. Ou simplement un peu de palpitation du cœur. Oh, he said, I guess I could be healed all right. Oh, lui il déclare, oui, je pense que je pourrais être guéri. Not too much wrong with him. Je ne suis pas très malade au fond. And his faith will reach right out and catch it. Alors sa foi montrait et il attraperait cette guérison. But you, mais vous, when you become crippled, lorsque vous devenez infirme, you lose hope. Vous perdez l'espoir. Oh, you say, I can't make it. Oh, vous dites, je ne peux pas y arriver. I just can't. Je ne peux pas. Well, it's the Father's good pleasure. Alors, je dois vous dire que c'est le bon plaisir to make you well, de vous guérir, just the same as it is the other. Aussi bien que l'autre. Just don't pay attention how bad you're crippled. Ne faites pas attention à la gravité de votre infirmité. Look at who made the promise. Regardez à celui qui a fait la promesse. I don't want to take much of your time. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. But I want to give you a little example. Mais je veux vous donner un petit exemple. How many here are Bible readers? Raise your hand. Ceux d'entre vous qui lisez la Bible, levez la main. Good. Bien. Now, under the old law of redemption. Sous l'ancienne loi de la rédemption. Now, when say a mother heart. Mother heart. Lorsque une have gave birth to a little colt, you know. Ah oui. You don't get a seat. No, you know what a horse is? Yes, un cheval. Once she has a baby. Yes. Un jeune poulain est né. Voilà. Mm-hmm. All right. Voilà. And that little colt. Et ce petit poulain is a mule. Est un mulet. And his ears are hanging down. Et ses oreilles pendent. His knees are knocked together. Ses jambes sont comme ceci. His eyes are crossed. Et ses yeux se croisent. What a mule. Quel mulet. Now that little fella. Mais ce petit, if he could think, s'il pouvait penser, he'd say, look where I am. Il dirait, mais regardez comme je suis. I won't be able to live. Moi, je serais totalement incapable de vivre. But when the man of the house, mais lorsque l'homme de la maison, the owner, le propriétaire, when he comes out and sees me, lorsqu'il sortira et me verra, well, he'll just knock me in the head. Alors il me frappera sur la tête. He'll never feed me. Il ne voudra pas me nourrir. He won't care for me. Il n'aura pas de soin de moi. Now listen. Écoutez bien. You cripple. Vous infirme. Now, if the old mother was instructed right, si la vieille maman avait reçu un bon enseignement, by the laws of God, par les lois de Dieu, she'd say, wait a minute, honey. Elle dirait, attends un instant. You know what? Tu sais quoi? The high priest will never see you. Le souverain sacrificateur ne te verra jamais. But you're born with a birthright. Mais tu es né avec un droit de naissance. You're my colt. Tu es mon petit, mon poulain. And you're my first one. Et tu es mon premier né. So you have a birthright. Alors tu as un droit de naissance. Now what if a man comes out and sees him? Et qu'en fera-t-il donc lorsque l'homme de la maison va t'entendre? Et qu'on verra cet horrible mulet. Now what happens? Et que se produira-t-il? He has to go get a lamb. Il faut qu'il aille chercher un agneau. A perfect lamb. Un agneau parfait. Without a blemish. Sans tache. And he has to take it down to the high priest. Il faut qu'il le mène vers le souverain sacrificateur. And the lamb is cut. Et on égorge l'agneau. And the lamb dies. Et l'agneau meurt. So the mule can live. Afin que le mulet puisse vivre. Why? Pourquoi? It was born with a birthright. C'était parce que c'est né avec un droit découlant de sa naissance. They never examined the mule. On n'a jamais examiné le mulet. They examined the lamb. Ils ont examiné l'agneau. The priest looks at the lamb. Le sacrificateur regarde l'agneau. Now you Bible readers know that. Et vous êtes des lecteurs de la Bible, vous le savez cela. Under the laws of redemption. Sous les lois de la rédemption. In the New Testament. Dans le Nouveau Testament. No matter what.
what's wrong with you, quoi qu'il vous soit arrivé, don't look at yourself, ne vous regardez pas vous-même. Look at your lamb. Regardez votre agneau. Amen. Amen. Can you find any fault in him? Est-ce que vous pouvez trouver un défaut en lui? God don't look at you. Dieu ne vous regarde pas vous. He looks at the lamb. Il regarde l'agneau. So if there's no fault in the lamb, sauf que s'il n'y a pas de défaut dans l'agneau, there's no fault with you. Il n'y a pas de défaut chez vous non plus. So then have faith. Alors donc, ayez la foi. Hands up. Levez-vous. And claim your God-given privilege. Et revendiquez les privilèges qui vous viennent no de Dieu. What it looks like, quoi que, quelle qu'en soit l'apparence, how sick you feel, aussi malade que vous soyez, how far advanced your stage is, quel que soit le degré d'avancement de votre maladie, you can be healed. Vous pouvez être guéri. I've got in my home city, dans ma ville natale, one of Mayo's nurses. Mayo Brothers Clinic, the nurse. Oui, j'ai eu dans ma maison, dans ma ville natale, une infirmière de looking la clinique Mel. Looking out a cancer case. Qui examinait un cas de cancer. This woman only weighed 30 pounds. Cette femme pesait seulement 15 kilos. When Mayo Brothers gave her up. Lorsque cette clinique l'a abandonnée à son she sort. She lost her mind. Elle perdit même l'esprit et devient folle. And she came and they brought her to the meeting. On l'a amenée à la réunion. She was to die in 24 hours. Elle devait mourir dans les 24 heures. So her sister brought her. Sa sœur l'a donc amenée. And her husband. Et son mari. While preaching, pendant que je prêchais, I saw a vision. Je vis une vision. And it told all about her. Qui m'a raconté tout ce qui la concernait. And commanded her. Et j'ai commandé. To rise up in Jesus' name. Qu'elle se lève au nom de Jésus. That's been 10 years ago. Et cela il y a 10 ans. And a year's time. Et dans un an plus tard. The woman weighed 170 pounds. Cette femme pesait 80 kilos. And perfectly normal and well. Était parfaitement normale et guérie. Now that's just one. Et cela, c'est un cas seulement. Of the hundreds, parmi les centaines, something has to create there. Quelque chose doit être créé à cette faith place. Has to create. La foi doit créer. Well, her organs was, gone. Ses organes étaient partis. Well, even a cancer eater so bad, mais le cancer l'avait tellement mangé qu'il y avait des trous dans ses intestins. It eat her up. Et cela avait presque dévoré. And today, there's not a blemish about. Et aujourd'hui, il n'y a pas une tache. All because of Jesus Christ. Tout cela à cause de Jésus-Christ. Now look what had to happen there. Et regardez ce qui devait se produire alors. Now don't have to happen to you that's crippled. Ça ne doit pas se produire nécessairement pour vous qui êtes infirme. See, the spirit has gone out. L'esprit est sorti. Polio. La poliomyélite. And paralysis. Et la paralysie. It's just like the devil going into a house. C'est comme si le diable entrait dans une maison. And breaking up the lamp. Pour briser les lampes. Tearing up the bed. Abîmer la literie. Then going out. Et s'en allant ensuite. That's the result of it. C'est le résultat. But God is the one. Mais Dieu est celui. The housekeeper. Qui est le gardien de la maison. Who comes in and straightens it up again. Qui entre et qui met de l'ordre dans la maison. Amen. Amen. Now believe me. Croyez. And tonight, et ce soir, I want you to put your faith in action. Je veux que votre foi soit une foi en action. Believe him with all your heart. Croyant de tout votre cœur. God will heal you. Que Dieu vous guérira. Now I've got about 35 or 40 minutes. J'ai encore 35 ou 40 minutes. While the showers are falling outside. Pendant que la pluie tombe dehors. We pray that the showers will fall inside. Nous prions que la pluie tombe à l'intérieur aussi. And I'm sorry you all are standing. Sorry you're standing. Je regrette que tant de vous soient obligés. Partant parmi vous soit obligé de se tenir debout. Don't get wet. Ne vous laissez pas mouiller. Move in. Entrez si vous pouvez. And make yourself comfortable. Et cherchez un peu de confort si possible. If you possibly can. Si c'est possible. And there's some seats right back in here. Et il y a des bancs qui sont au fond là-bas. If you want to come, si vous voulez venir. There's a corner over here. Il y a tout un coin là-bas avec des places vides. Empty. Qui sont vides. That you can come to. Et auxquelles vous pouvez venir. And for you back in here, et pour vous qui êtes là-bas. Right in the corner over there, dans le coin là-bas. There's some more seats. Il y a encore des bancs. Just make yourself welcome. Mais soyez les bienvenus. It's for everybody now. C'est pour tout le monde maintenant. I'm going to ask my interpreter, je vais demander à mon interprète if he will read for me this afternoon, s'il lira pour moi cet après-midi out of Saint Luke, l'évangile de Saint Luc, the seventh chapter, le chapitre 7, and I want to begin at the 36th verse, à partir du verset 36, and read the rest of the chapter. Mais tout le reste du chapitre. All right, I think that's right. I listen real close to the reading of the word. Voici une quinzaine de versets. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums
Christ saint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, tes nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. May the Lord add his blessings. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Shall we pray? Prions Dieu. Our Heavenly Father, notre Père Céleste, we thank thee for thy word. Nous te remercions pour ta parole. God, I can hardly pray just now. Oh, c'est à peine si je peux prier maintenant. You know what I was looking at. Tu sais, Seigneur, ce que je regardais. Be merciful, Father. Oh, sois miséricordieux, grant Père. L'accorde-le, Seigneur. I pray that you'll come now with your word. Et je prie que tu viendras maintenant avec ta parole. May the Holy Spirit take the word. Que le Saint-Esprit prenne la parole. And give it to each heart. Et la donne à chaque cœur. Just as we have need of. Selon nos besoins. We ask in Jesus' name. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. You're doing a real good job. Freshness, freshness. I will tell you. There's something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. What would this Pharisee want with Jesus? Ce pharisien, que voulait-il de Jésus? Well, the Pharisees hated Jesus. Mais les pharisiens haïssaient Jésus. And here he is asking to come eat dinner with him. Et voici que l'un d'eux lui demande de venir manger avec lui à sa table. Just something wrong. Quelque chose n'allait pas. How they hated him. Comme ils l'ont haï. And here he is asking to come to dinner. Et en voici un qui lui demande de venir à sa table. Just doesn't work right. Ça ne va pas, cela. There's something wrong. Il y a quelque chose vraiment de faux. Like a little girl. Comme une petite fille. About 8 years old. De 8 ans environ. She's hanging around with grandma. Et elle est en train de jouer avec grand-mère. And now there's something wrong. Et quelque chose là ne va pas. There's too much difference in their age. Il y a beaucoup trop de différence entre leurs âges. Now, she might be grandma's pet. Il se peut qu'elle soit baby. Le bébé de grand-mère. Maybe grandma's got a pocket full of candy. Peut-être grand-maman a-t-elle une poche pleine de bonbons. There's some reason. Il y a une raison. There's too much difference in their age. Il y a beaucoup trop de différence entre leurs âges. But this little girl, pour que cette petite fille just stays with grandma. Reste simplement comme ça avec grand-mère. Now you see little children have things in common. Vous voyez, les petits enfants ont des choses en commun. And they play together. Et ils jouent ensemble. Because they have things in common. Car ils ont des choses en commun. The Bible speaks of that. La Bible parle de ça. In Isaiah. Dans le livre d'Ésaïe. That little children playing in the street. Parlant de petits enfants jouant dans les rues. Because they have things in common. Car ils ont des choses en commun. Now the young women, they have things in common. Les jeunes femmes aussi ont des choses en commun. They hang together. Elles se tiennent ensemble. And the older women, they have things in common. Et les dames plus âgées ont également leurs choses, leurs plaisirs en commun. The young man. Le jeune homme. And the old man.
Et l'homme âgé. The lodges. The man of the city. L'homme de la ville. They have things in common. Ont des choses en commun. They get together and talk about things of the city. Et ils s'assemblent et parlent des choses de la ville. Because they have things in common. Car ils ont des choses en commun. It's the reason Christians hang together. C'est la raison pour laquelle les chrétiens s'assemblent. We have things in common. Nous avons des choses en commun les uns avec les autres. It doesn't matter whether we are German. Peu importe que nous soyons de langue, de nationalité allemande ou suisse. American. Ou américain. Ou n'importe quoi. We just have things in common. Nous avons simplement des choses en commun. We're interested in something. Nous sommes en commun intéressés à quelque chose. You didn't come out this afternoon because I was American. Vous n'êtes pas venu ici cet après-midi simplement parce que j'étais citoyen américain. You come because I'm your brother. Vous êtes venu parce que je suis votre frère. And we're speaking about something. Et que nous parlons de quelque that chose. We're all interested in. Quelque chose en quoi nous avons tous un intérêt. An old American proverb. Un vieux proverbe américain. My mother used to use it. Que ma mère employait. She said, "Birds of a feather flock together." Elle dit que des oiseaux de même plumage s'assemblent. You know, doves. Vous savez, les colombes. And buzzards. Et les vautours. Don't have any fellowship. N'ont aucune communion. They just don't flock together. Ça ne va pas ensemble. Ça ne s'assemble pas. Well. Why they don't eat the same thing. Et ils ne mangent pas non plus la même chose. A buzzard. Un vautour. Eats dead things. Mange des choses mortes. A dove could eat that. Un pigeon, une colombe ne saurait manger des choses mortes. It would kill it. Ça le tuerait. You see, a dove doesn't have any gall. Une colombe n'a pas de bile. He couldn't digest that. Et ne pourrait digérer ces choses. A very beautiful type of a Christian. Un chrétien d'un type élevé. See, when you're converted. Lorsque vous êtes converti, voyez-vous, God does an operation. Dieu accomplit une opération. He takes the gall out. Il enlève l'amertume. And you don't want more of the buzzard's diet. Et vous n'avez plus besoin de du régime du vautour. You got all the gall taken out. Et tout ce qui est amer, ces sucres amers sont ôtés. You can't digest the things of the world. Vous ne pouvez pas digérer les choses du monde. But did you ever notice a buzzard? Avez-vous remarqué un vautour? Or an old crow? Ou un vieux corbeau? He can sit out there and eat on a dead carcass. Et il peut rester là, manger et picorer sur un vieux cadavre. And he can come over and eat wheat with the dove too. Et il pourrait également venir manger des grains de blé avec la colombe aussi. He's a hypocrite. C'est un hypocrite, celui-là. Well, but the dove. Mais la colombe. He can't go over and eat with the crow. Ne saurait aller manger avec le corbeau. So birds of a feather. Alors les oiseaux de même plumage. Flock together. S'assemblent toujours. There's nothing wrong with the picture. Il y a quelque chose dans cette image qui ne va pas. What could this Pharisee want with Jesus? Mais ce pharisien, que voulait-il de Jésus? There's something up somewhere. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. And now let's look and see what it was. Regardons et efforçons-nous de trouver ce que c'était. Now the Hebrew, the Greek word for Pharisee. Le mot grec qui signifie pharisien. Means actor. Signifie un acteur. Somebody that acts like something. Celui qui joue un rôle. We got too much of that. Nous en avons de trop de cela. In the world today. Dans le monde aujourd'hui. In America. En Amérique. We have too many actors. Nous avons beaucoup trop de gens qui jouent un rôle. Especially out in Hollywood. Surtout à Hollywood. They're always before the camera. Ils sont toujours devant l'appareil de cinéma. So when they come out in public life. Alors lorsqu'ils sortent vers la vie publique. They still think they're before the camera. Ils continuent à croire qu'ils sont devant l'appareil de cinéma. Ils jouent un rôle. Putting on something that they're not. Ils ajoutent quelque chose qu'ils n'ont pas autrement. I don't like that. Je n'aime pas cela. I like for you to be just what you are. J'aime que nous soyons tels que nous sommes. Don't you like that? Et vous? Just be what you are. Soyez ce que vous êtes. And everybody know how to take it. Et tout le monde saura alors comment vous prendre. Too many of us look at television. Il y en a beaucoup trop qui regardent la télévision. And bioscopes. Et les bioscopes. Et les cinémas. And when we go out, et lorsque nous sortons, you see little children. Vous voyez de petits enfants. They go to such places. Qui vont dans ces endroits. They go out and act like the actors. Et ils vont imiter ces acteurs. The devil does that. Le diable fait cela. I want to be what I am. Je désire être ce que je suis. And sometimes, et quelquefois, preachers become actors. Les prédicateurs jouent un rôle. Oh oui. And they get in a pulpit. Lorsqu'ils montent en chair, they use a prophet voice. Et ils emploient leur voix de la chair, une voix spéciale. Well, mes frères, we are here. Nous sommes ici aujourd'hui. Because you're in the pulpit. Mais
parce que vous êtes dans, ils sont dans la chair. Hey, si. Les pharisiens. Get saved. Pharisiens, sois sauvés. Quit that talk now. Enlève ce jeu de rôle. God don't want you to be an actor. Dieu n'a pas besoin que tu sois un acteur. He wants you to be a partaker. Il veut que tu sois un participateur. Of his Holy Spirit. De son Saint-Esprit. Let it do the acting. Et que ce Saint-Esprit Amen. Joue le rôle. Amen. Notice. Regardez ceci. This put on. Ce qui est ajouté ainsi. Now, I don't believe they do it here. Moi, je ne crois pas qu'on le fasse ici. But in America, mais en Amérique, our sisters do a lot of acting sometimes. Nos sœurs agissent ainsi et se donnent une apparence qu'elles n'ont pas naturellement. When they're in the home. Lorsqu'ils sont dans la maison. Oh, a lot of different persons. Oh, quelles personnes différentes. And brothers too. Et les frères aussi. And in the home, et dans le foyer, sister will say, notre sœur dirait, John, 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 hurry up. Et dépêche-toi. Get going. Dépêche-toi. Then the phone rings. Et le téléphone sonne. Oh, hello. Oh, hello, comment allez-vous? You actor? Vous êtes un acteur. Get right with God. Sois droit devant Dieu. Be what you are at home like you are in church. Soyez à la maison comme vous êtes à l'église. Amen. Amen. God grant today. Dieu accorde, nous accorde aujourd'hui. When we can be the... We can either be Christians or say we're not. Alors que nous pouvons ou bien être des chrétiens ou dire que nous ne sommes pas. Either get right with God. De devenir, qu'il nous accorde de devenir droit devant Dieu. Stop acting. Et de ôter ce rôle superflu qui n'est pas vrai. I don't like acting. Je n'aime pas cette façon de jouer just un rôle. What you are. Soyez ce que vous êtes. God will respect you then. Et Dieu alors vous respectera. You believe that? Vous le croyez cela? You like a person that you know what they are. Vous aimez une personne quand vous savez comment elle est vraiment. Don't act one way one time. N'agissez pas d'une manière un jour. And act another way another time. Pour agir d'une autre manière un autre jour. That's no good. Ça ne va rien, ça ne va pas ça. I'm speaking that. To be the same all the time. Il faut que nous soyons la même, les mêmes tout le temps. Amen. Amen. This Pharisee must have had something behind this motive. Ce pharisien devait avoir un motif caché. Oh, he was a great man. C'était un homme grand. He had a lot of prestige. Il avait beaucoup de prestige. He was a doctor. C'était un docteur. Oh, perhaps he had a degree of bachelor of arts. Oh, peut-être avait-il un diplôme de baccalauréat S lettres. He might have had an LLD. Il se peut qu'il ait été un docteur, un docteur juriste. Oh, he was a great guy. Oh, c'était un type formidable. And he was going to have a party. Et alors, il devait avoir un repas chez lui, un banquet. Et je le vois. As he walked up and down into the fume room. Se parcourant de long en large sa chambre de banquet parfumée. Up on his fine Persian rug. Sur ses merveilleux tapis persans. In his fine living room. Dans sa merveilleuse salle à manger. Oh, he was rich. Oh, il était riche. Ah, 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 ah. Voilà. Ah, 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 ah. C'est tout ce que vous entendez. I'm the greatest man in town. Je suis le plus grand homme de la ville. I have the greatest church. J'ai la plus grande église. I have the nicest people. J'ai le meilleur auditoire. The best dressed people. J'ai l'auditoire le mieux habillé. The best paying people. Et l'auditoire qui paie le mieux. Oh, the public looks up to me. Oh, le public me regarde. Ah, Moi. So he wanted to give a little more. Alors il voulait recevoir encore quelques plus. Et quelques mois de plus. So I can see him. Alors je puis le voir. As he starts walking around. Parcourant sa maison. Rubbing his chubby fat hands. Se frottant ses mains bien grassouillettes. That fat roly-poly Pharisee. Cet homme, ce gros pudding. I'm wondering what I could do. Je me demande, dit-il, qu'est-ce que je puis faire? You know, everybody will come out to my banquet. Vous savez, tout le monde viendra à mon banquet. So I wonder who I could get to entertain right Mais here. Je me demande qui je pourrais bien encore demander. All at once, et tout à coup, he said, why did I think of that? Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à ça plus tôt? I'll stand and get that divine healer. Je vais chercher ce guérisseur divin. Oh, 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 oh. Ah. He says he's a seer. Ah, c'est un voyant, dit-on. We know. Nous savons que c'est un fanatique. We know he's nothing doing. Nous savons que ce n'est pas vrai ce qu'il fait. In the seminary, nos séminaires. We learned that psychology. Nous apprenons que cela, c'est de la psychologie. Oh, perhaps mental telepathy. Oh, peut-être la télépathie mentale. If I could only get that holy roller. Si seulement je puis trouver ce genre d'homme pieux qui, à mon banquet. Oh, I'd be the talk of the church.
Ah, toute l'église parlerait de moi. Well, I'll just see if I can get him. Eh bien, je vais essayer de le voir. And I'll bring him over. Et je le ferai venir. And when we got him in, et lorsque nous l'aurons fait venir, we'll expose him. Nous l'exposerons. I believe it's psychology. Ah, je crois que c'est la psychologie, moi. Ha ha! What will Dr. Jones say? Que dira le docteur Jean? He hates that guy. Ah, comme il le hait, cet homme-là. As bad as I do. Aussi profondément que moi-même, je le hais. What will Pharisee Simeon say? Et que dira le pharisien Simeon? Oh, it'll be a joke. Oh, quelle plaisanterie ce sera. Oh, won't that be wonderful? Oh, comme ce sera merveilleux. It'll all happen on my place. Et tout ça se produira chez moi. That big hypocrite. Ce grand hypocrite. They're not all dead either. Ils ne sont pas tous morts, vous savez. They didn't all live back there. Ils n'ont pas tous vécu à ce moment-là. They still live today. Ils vivent encore aujourd'hui. Amen. Amen. Notice. Regardez ceci. So he starts a runner. Alors il envoie il envoie quelqu'un, le cher messager, le chercher. To go see if he can find. Afin qu'on aille le chercher. Up over the mountain. À travers les montagnes. Down through the valleys. À travers les vallées. Across the desert. À travers le désert. He goes. Il va. It's evening time now. C'est le soir maintenant. And I can see him. Et je puis le voir. Standing on his toes. Se tenant sur ses pieds. Perspiration running down his face. Avec la transpiration qui lui court sur le visage sale. And he's looking over. Et il regardait au-dessus. Oh. Quelle fatigue. Sighs. Il soupire. That's him. Voilà, le voilà. Look at that crowd of people. Regardez cette foule. They're all listening at his feet. Ils sont tous en train d'écouter son enseignement. Oh, I would have liked to have been standing there. Oh, comme j'aurais voulu être là devant lui. Wouldn't you have loved to stand there? Et vous, n'auriez-vous pas voulu être là? To hear them lips. Pour entendre ses lèvres. That speak like never a man spoke before. Et ont parlé et ont prononcé des paroles comme jamais aucun homme n'a parlé. As he stands and listens. Pendant qu'il écoute. Jesus is teaching. Jésus enseigne. The suns are going down. Le soleil se couche. The courier's tired. Le courrier, le messager est fatigué. Jesus quits teaching. Alors Jésus cesse d'enseigner. And he starts praying for the sick. Et il commence à prier pour les malades. Here comes the courier. Et voici le messager. Going his way through. Qui se ferait un passage. He's trying to get to Jesus. Et il s'efforce d'atteindre Jésus. The first thing you know, he runs into la première personne qu'il rencontre, c'est Philippe. And he says, sir. Il lui dit, monsieur. Could I see your master? I have a message for him. Est-ce que je puis voir votre maître? J'ai un message pour lui. Philip was busy. Philippe était occupé. The disciples keeping the people away from Jesus. Et les disciples s'efforçaient d'écarter ces gens de Jésus. But perhaps he pushed him back. Alors il se peut qu'il les repousse. And here he comes again. Et voici, il revient. Then, sir, monsieur, dit-il, I have a message from your master. J'ai un messager de votre maître. I will only take a moment of his time. Je ne prendrai simplement qu'un instant de son temps. Can I speak to him? Est-ce que je puis lui parler? Finally, Philip takes him up. Et finalement, Philippe le prend. To where Jesus is. Et le mène vers Jésus. Said, master, maître, dit-il, this man has something to speak. Cet homme a quelque chose à te dire. The master said, say on. Le maître dit, parlez. He said, my lord, the Pharisee, mon maître, le pharisien, dit-il, has set a great dinner. A organisé un grand banquet. Oh, he's a great man. Oh, c'est un homme si grand. And he's invited you to come and be his guest. Et il t'a invité à venir être son invité. I can hear Peter then. Je puis alors, je m'imagine, entendre Pierre dire non, Seigneur, non, non, ne va pas là, Seigneur, non, ne va pas chez ce pharisien, il n'a pas besoin de toi. Regarde les malades et les affligés, ils sont tous là désireux d'avoir un instant avec toi. Ne va pas chez ce pharisien, son but n'est pas juste, n'est pas droit, il n'a pas besoin de toi, il est riche et il n'a pas besoin de toi. But Jesus will always go. Mais Jésus ira toujours. Where he's invited. Là où il est invité. Isn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? He'll go. Il ira. To anybody. À n'importe qui. That'll invite him. Si on l'invite. I can see the courier. Je vois ce messager. As he bows. S'inclinant. And said, master. Disant, maître. Will you receive my Lord's message? Voulez-vous recevoir le message que je vous apporte de la part de mon Seigneur? And his invitation. Et son invitation. Jesus. Jésus le regarde, sourit un peu et répond, oui, j'y serai ce jour-là. Et alors le messager se tourne et s'en va. Oh, voyons. How did he do it? Mais comment l'a-t-il fait? I'd like to touch his
place. J'aurais voulu prendre sa place. I'd like to have been up and talking to him. J'aurais voulu pouvoir lui parler. Wouldn't you? Et vous? I'd have talked to him more about something else. Moi, je lui aurais parlé beaucoup plus d'autre chose. I'd have fell down at his feet. Je me serais prosterné à ses pieds. Say, Lord, pour lui dire, Seigneur, have mercy on me. Et miséricorde envers moi. Wish I could have stood there. Oh, comme j'aurais voulu être là, moi. In his presence. En sa présence. To hear him speak. Pour l'entendre parler. Give more than a message from a Pharisee. Je lui aurais certainement donné plus qu'un message de la part d'un pharisien. I'd have told him I loved him. Je lui aurais dit que je l'aimais. I'd have poured out my soul to him. J'aurais déversé mon âme devant lui. I would like to put my hands on his feet. J'aurais voulu mettre mes mains sur ses pieds pour le toucher et le caresser un peu. Oh, master, oh maître, I love you. Je t'aime. Listen. Écoutez. So many people in that day. Tant de personnes en ce jour-là. Miss their opportunity. Manque leur occasion. You know, vous savez, so many people today missing that opportunity. Il y a tant de gens aujourd'hui qui passent à côté de l'occasion. When you come into his presence, lorsque vous venez dans sa présence, and then turn away, et lorsque vous vous détournez, oh, what an opportunity. Oh, quelle opportunité, quelle occasion pour les hommes et pour les femmes, pour les garçons et pour les filles, to come before Christ, pour venir devant Christ and pour out their soul, déverser en quelque sorte leur âme. But he had a mission, mais il avait une mission à accomplir qui semblait plus importante. Listen, écoutez, is it the truth today? N'est-ce pas la vérité aujourd'hui? That our work, que notre travail, and our house work, et notre travail à la maison, the washing tomorrow, toute la lessive demain, or some little card party we belong to, ou telle petite réunion pour jouer au bridge auquel nous appartenons, or our social standing, ou notre prestige social, is too important, n'est-ce pas trop important, to come to an old-fashioned altar, pour nous permettre de venir and à ce vieil hôtel et pleurer devant Jésus and receive him et le recevoir into our heart, en notre cœur. Oh, nos choses de la terre, the ties of this earth, les liens de cette vie, seems to be so much greater to us, semblent être tellement plus importants than meeting Jesus, que rencontrer Jésus. That's the way this courier felt. C'est ainsi que se sentait ce messager. To get this big fat Pharisee, ce qu'il avait, il fallait qu'il porte le message de ce gros pharisien, message to Jesus, jusqu'à Jésus. Ce fait était plus important pour lui que la destinée de son âme. There he stood, le voici, se tenant là, in the very presence, en la présence même of the fountain of life, de la fontaine de la vie. And his duties of earth, et ses devoirs terrestres had him so bound, l'avaient tellement tenu lié until he could not, à tel point qu'il ne pouvait pas see his own need for Jesus, reconnaître son propre besoin and de Jésus. Et il se détourne and back across the mountains et il s'en retourne à travers la montagne, à travers la Palestine. How did he do it? Mais comment a-t-il pu le faire? Could you imagine it? Pouvez-vous imaginer une telle chose? Such an opportunity. Une telle occasion, and then lay it down. Et alors laissez tomber cette occasion. Don't let that be your stand. Oh, que ce ne soit pas votre position à vous. What if he could raise up today? Ah, s'il pouvait se lever aujourd'hui, and have the same opportunity. Avoir la même occasion pour vous. What a difference! Quelle différence ce serait aujourd'hui? You do it today. Faites-le aujourd'hui. Now, when he gets back to Pharisee, lorsque le messager revient chez le pharisien, Pharisee, sir. Did you find him? Le pharisien lui a dit, l'as-tu trouvé? Yes, my lord. Oui, mon seigneur. And he's coming. Et il vient. Oh, good. Ah, très bien. Now, maintenant, that'll help my social standing. Ça me permettra d'augmenter mon prestige social. I can even sway the divine healer. Il se peut, voyez, je peux même incliner la volonté du guérisseur divin. Don't come to my feet. Pour venir à mon repas. Why, sure. Mais bien sûr. I can put the best bread on him down. Je peux organiser le meilleur banquet de la ville. I can adopt the best servants. Et je peux employer les meilleurs serviteurs. Look at my beautiful garden. Regardez mes merveilleux jardins. Now let me see. Voyons. Now I believe I will not have the dinner inside. Eh bien, je crois que je ne vais pas avoir ce banquet à l'intérieur de la maison. I'll take it outside. Je l'organiserai dehors. I'll put it out on the lawn. Je vais le mettre sur le gazon. Oh, those beautiful grapes hanging there. Oh, ces merveilleuses grappes de raisin qui sont suspendues. And when it's cool in the evening, et lorsqu'il fera doux vers le soir, all the people will come around, tous les gens viendront, all the city will come out, toute la ville sortira, and they'll see it, pour nous voir.
Et ils sauront quel grand homme je suis. Now, set out my best table. Et j'installerai mes meilleures tables. And I'll invite all the celebrities. Et j'inviterai toutes les célébrités. Oh, they'll all be glad to come. Oh, tous seront heureux de venir. Well, I'll get the best cook. Car je vais emploierai les meilleurs cuisiniers, I'll les meilleurs chefs. Et j'aurai les agneaux les plus gras. The best wine. Les meilleurs vins. Oh, I can do it. Oh, je peux le faire. Oh, I'm a rich man. Car je suis un homme riche. And then for entertainment. Et alors pour les réjouissances, nous aurons cet homme pieux, that divine healer, ce rouleur divin, ce guérisseur divin. We'll call his hand. Nous lui ferons exposer son imposture. Est-ce que n'était-il pas ainsi aujourd'hui? Shame on you. Honte soit sur vous. That would treat Jesus such a way. Vous qui pouvez traiter Jésus d'une telle manière. Sometimes you use your church. Quelquefois vous utilisez votre église for a place of entertainment. Pour donner des réunions de réjouissance, dances and so forth. Des séances, pardon, des danses et des parties. Shame on you. Que la honte soit you sur never vous. Do that. Vous ne devriez jamais faire cela. Reverence Christ. Que vous ayez le respect pour Christ. Now the way they eat in the over in Palestine. La manière dont on mange en Palestine. Don't sit down like we do. On ne s'assoit pas comme nous faisons ici. They lie down. On se couche. They eat. Pour manger. They push a little cot out. On fait une sorte de lit. Like a little sofa. Comme un sofa, un divan. And they push it into the table. On le pousse vers la table. And the patient or the man comes. Et l'homme vient. He sits down. Il s'assied. He lies back. Et il se couche en arrière. And puts his hand like this. Il se met le coude et sa main et mange ainsi. There he eats. Mange ainsi, avec la tête sur la main, pendant des heures. Oh, what luxury. Oh, quel luxe. And could they put it on? Et alors, que peut-on faire une danse? They had the very best waiters. Mais ils avaient les meilleurs serviteurs. They even had music on their toes. Même la musique sur leurs doigts de pied, de petites sonnettes. And as they walk, et en marchant, they play music. Et ils jouaient de la musique avec les clochettes. You ought to visit Palestine. Ah, vous devriez visiter la Palestine. It's very interesting. C'est très intéressant. And now, et maintenant, now he's got everything fixed up. Voilà donc le pharisien qui a tout installé. Now the day of the feast arrives. Et le jour du banquet arrive. Oh, my. Oh oui. Here comes Pharisee. Voici le pharisien with all of his religious clothes on. Avec tous ses vêtements religieux. Oh, he's a big fella. Oh, c'est un homme formidable. And he comes walking out. Et il vient marcher. Here comes a chariot up. Voilà, voici un char qui arrive. Oh, that's Dr. Jones. Oh, mais ça, c'est le Dr. Jones. Walk down. Et qui descend. Dr. Jones. Oh, monsieur Dr. Jones. I am so glad to see you come to my feast. Je suis si heureux de vous voir arriver à mon banquet. In Palestine. Et en Palestine. For a real reception. Pour qu'une réception soit grande. Man to travel. Il voyage beaucoup. Many times by foot. Souvent à pied. Walking. En marchant. Now listen close. Écoutez bien. Now the Palestine garment underneath. Le vêtement de dessous en Palestine. Fits just above the knee. Va descend juste au-dessus du genou. And the robe. Et la robe. Went over the outside. Couvre tout l'extérieur. And as they walk. Et pendant qu'ils marchaient. The dust of the wind from the robe. Le vent sur la route. Picked up dirt. Soulevait la poussière. La poussière. And along the Palestine road, et le long des routes de la Palestine. In those days, en ces jours-là, they didn't have a pave like ours, il n'y avait pas de pavé comme chez nous. Neither was there oil, et il n'y avait pas de bitume. They were dusty, il y avait seulement de la poussière. And very rugged, et très dur et très rugueux. Animals passed over the road, les animaux parcouraient cette route. Like, horses, comme des chevaux. And, caravans, et des caravanes. Of camels, de chameaux. And the animal droppings on the road, et tout ce que laissaient les animaux sur la route, it, les oiseaux qui picoraient it, et qui balayaient tout cela, dust, dust, et toute la poussière qui retombait en poussière, walking, et avec tout cela, une personne qui marchait, legs, cette poussière venait sur leurs jambes, et lorsqu'ils transpiraient, la poussière collait à leurs jambes, so et ça sentait mauvais, et il fallait qu'on les lave, il fallait se laver avant d'entrer. So the rich people, les gens riches donc, usually had a bunch of flunkies around. Généralement avaient quelques serviteurs autour d'eux. And the one that washed the feet, et celui qui lavait les pieds, listen, écoutez, was the worst paid flunky of the bunch. Était le serviteur le moins bien payé de tous. He had the lowest job. Il avait la tâche la plus ingrate, la plus basse, parmi toutes les autres tâches. That breaks my heart.
Et cela brise mon cœur de penser that my Lord que mon Seigneur the place et a pris la place of the Lord's party du serviteur dont la tâche était la plus ordinaire the feet of his disciples. Et qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Then we go on et alors nous continuons our head up in the air, avec notre tête bien dressée haut like we are something, comme si nous étions quelque chose and the Prince of Glory et le Prince de la gloire wash man's feet a lavé les pieds des hommes. The place of the Lord's party. Il a pris la place du serviteur le plus humble. Shame on you. Que la honte soit sur when you think you're something. Lorsque vous pensez que remember, vous êtes quelque chose. You're nothing. Souvenez-vous que vous n'êtes rien. You're 6 feet of ground. Simplement 6 pieds de poussière. Dust you come and dust you return. Tu es venu de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Now listen. Écoutez maintenant. Here's the way they did it. Voici la manière d'agir. They got a clean basin of water. Et on prenait une bassine d'eau. And a flunky. Et le serviteur cut the man's foot. Prenait le pied de la personne. Laid it over his own leg. Le mettant sur son propre jambe. And cut the water. En prenant l'eau ensuite. And washed his feet. Et lavait ses pieds. Then he took his sandals. Ensuite il prenait ses sandales. And set them up on a little shelf. Pour les mettre sur une étagère. And then he went back. Et après, il alla chercher les compliments de son hôte. And got a nice pair of satin slippers. Allait chercher de la part de son hôte une bonne paire de pantoufles de satin pour les mettre sur les pieds de l'invité. Make him feel comfortable. Pour qu'il soit confortable. And then when he was leaving, et alors, au moment du départ, he got his sandals back. On rendait à l'invité ses sandales. Now listen. Écoutez maintenant. Now when that happened, lorsque cela se produisait, the next thing he did, la prochaine chose, he went into another little chamber, consistait à aller dans une autre chambre. And there, et là, they were poured out in his hands, on versait sur ses mains spicador, des huiles et des épices. It's a very famous thing. L'huile. C'est une huile avec un grand arôme. And it's made out of a little thing that comes from Arabia. Et on le fabrique avec une petite chose qui vient d'Arabie. The oil will become contaminated. Oui, l'huile deviendra contaminée. Thick. Et sentira mauvais. But when this spicker's mixed with it, mais lorsqu'on met cette épice, it'll last for years. L'huile dure fraîche longtemps, it des années. Smells real good. Et ça sent très bon. I had two little balls of it once. J'en ai eu moi-même deux petits morceaux. It comes off of a famous tree out the way up in Egypt. Cela vient d'un arbre renommé en Égypte. And I rubbed it in my hand. Et je l'ai frotté sur mes mains. And it smelled for 2 weeks. Et cela a senti pendant deux semaines. That was some of the treasure that the Queen of Sheba brought to Solomon. Ça faisait partie du trésor que la reine de Saba avait apporté à Salomon. Very expensive. Cela coûtait très cher. So in the direct rays of the sun in Palestine. Et ainsi donc sous les rayons directs du soleil en Palestine. Et qui brûle le visage of the traveler. Du voyageur. So they give him a little oil. Alors on lui donne un peu d'huile avec laquelle il frotte son visage et son cou et sa nuque. Then he gets a clean towel. Ensuite il prend un linge propre et l'enlève en now frottant. That's the second course. Et ça c'est le deuxième pas. Now he goes into the main room. Il entre maintenant dans la grande salle. Now look at this. Écoutez maintenant ceci. And you'll see where he's entertained. Et vous verrez comment ça se passe. Then the host comes down. Et alors le maître de la maison vient. Et le rencontre comme ceci, like my brother. Comme je rencontre mon frère. Now the first thing he does, la première chose qu'il fait, he takes a hold of his hand. Il prend sa main, his right hand. Sa main droite. He bows down. Et il s'incline. Then he takes his other hand. Et il prend l'autre main. Then he bows down. Il s'incline encore une fois. Then he takes him. Ensuite, il le prend. Puts his hand like this. Il met ses mains comme ceci. And then like this. Et comme ceci. And then he kisses on both cheeks. Et il l'embrasse sur les deux joues. And he kisses on both cheeks. Et alors qu'il l'embrasse et le baise sur les deux he joues, kisses him welcome. C'est un baiser de bienvenue. Then he's a full brother. Et alors, il devient un frère de plein droit. Look, his feet washed. Ses pieds sont lavés. He's anointed. Il est oint d'huile. He's refreshed. Il est rafraîchi. He's kissed welcome. Il reçoit le baiser de bienvenue. He's just a brother. Alors, c'est un frère. He's welcome. Il est bienvenu. He can go in. Il peut entrer. Sit down. Il peut s'asseoir. Put the icebox and get something to eat. Il peut aller à la glacière et prendre quelque chose à manger. He's a brother. C'est un frère. That's the way he was welcome. Et c'est ainsi qu'on lui souhaitait la bienvenue. Ah! How did it happen? Mais comment est-ce que ça a pu se produire? Jesus got in. Jésus est entré. Without being made welcome. Sans qu'on lui ait souhaité la bienvenue. Pharisee was too busy. Monsieur Pharisien était trop occupé.
entertaining the doctors. Il s'occupait plutôt des docteurs, des médecins et des grandes célébrités. He had too much to do. Il avait trop à faire. Let's see Jesus come pour s'occuper de Jésus lorsque Jésus vient. Listen. Écoutez, I wonder if that is the case today. Je me demande si c'est en, s'il en est ainsi aujourd'hui. If we're not too busy. Si nous ne sommes pas trop with occupés avec l'instruction et autre chose. And we fail to entertain et si nous manquons de recevoir Jésus. Oh, my. Oh. When I see quand je vois come in. Entrer. And he left his work. Lorsque je le vois entrer, il a laissé son travail to come to his, where he was invited. Pour venir là où il était invité. And that's the way he gets entertained. Et c'est ainsi qu'on le reçoit. Is it that way at your house? Et c'est ainsi, est-ce qu'il en est ainsi dans votre maison? Is it that way at your church? Et c'est comme cela dans votre église? Is it that way in your life? En est-il ainsi dans votre vie? Do you pray, Lord Jesus, vous, come? Vous priez au Seigneur, Seigneur Jésus vient. And when he comes, et lorsqu'il vient, you don't pay attention to him. Vous ne faites pas attention à lui. Is that the way you're treating my Lord? Est-ce ainsi que vous traitez mon Seigneur? If it is, shame on you. Ah, s'il en est ainsi, alors si que la honte est sur vous. Comment est-ce qu'il est arrivé là? How did he do it? Comment l'a-t-il fait? I wish I could have been there, Flunky. Oh, j'aurais bien voulu être ce serviteur-là. I would have liked to have been there. Comme j'aurais voulu être là. If I knew he was coming, si j'avais su qu'il venait, I would have been watching for him. J'aurais veillé pour le voir arriver. I wouldn't have cared about Dr. Jones. Oh, peu m'aurait importé de Dr. Jones. All those big old Pharisees. Ou les autres pharisiens. I would have been looking for my Lord. Moi, j'aurais veillé pour voir Alleluia. Arriver mon Seigneur. Alléluia. I've been looking for him. J'aurais cherché à le voir going. Arriver. J'aurais veillé pour le so voir arriver. Give him courtesy. Afin que je puisse lui and made him le recevoir et lui souhaiter la bienvenue. But today, mais aujourd'hui, we're looking for everything nous cherchons toute autre chose but the Lord. Que le Seigneur. That's the reason we miss him. Et c'est la raison pour laquelle nous le manquons. And there he was. Et voilà, il était là. Unwashed feet. Les pieds non lavés. Sitting back in the crowd. Et là, dans la foule. In that condition. Et dans cet état-là. Isn't that pitiful? Est-ce que c'est, n'est-ce pas pathétique? But that's the way it is. Mais il en sait comme cela que c'est. That's the way it is today. C'est comme cela que c'est aujourd'hui. That's the way it is in too many homes. Et dans trop de foyers, il en est ainsi. Listen. Écoutez. In America. En Amérique. When we send, when the president comes to a city. Lorsque le président vient à une, vers une ville. Well, they lay out the carpet. Alors on étale les tapis. They drape the flag. On met des draperies au drapeau. On met des fleurs partout. The band plays. Les fanfares jouent. Everything. Tout. To show the world. Pour montrer. Everybody. Pour montrer à tout le monde. They want to make him welcome. Qu'on veut souhaiter la bienvenue au président. But when Jesus comes. Mais lorsque Jésus vient. You push him in a mission. Vous le mettez dans un coin. You make ready for everything else. Vous faut vous apprêter pour toute autre chose. But Jesus. Mais Jésus. That's the way that Pharisee did. C'est ainsi qu'a fait le pharisien. Oh my. Ah. What a pity. Quelle chose pathétique. To see that condition. Que de voir cet état de choses là. Listen. Écoutez. I want to ask you something now. Je veux vous demander quelque chose maintenant. Did you ever pray for Jesus to come to your house? Avez-vous jamais demandé à Jésus dans la prière de if venir dans votre say, maison? If you have, say amen. Si vous avez demandé cela à Jésus, qu'il vienne dans votre maison, dites amen. Sure you have. Mais bien sûr, vous how l'avez did fait. You treat him when he comes? Mais comment l'avez-vous soigné quand il est venu? Do you give him a little place up in the attic? Est-ce que vous lui donnez une petite place dans la mansarde? Maybe your sewing party is there that day. Il se peut que ce soit justement la journée de votre réunion de when couture. Jesus comes to your heart. Lorsque Jésus vient dans votre cœur. Like et vous avez envie de pleurer. You feel like weeping out. Vous avez envie de sangloter. You feel like praising him. Vous avez envie de le louer. But what do you do with him? Mais que faites-vous de lui? You put him up in the attic. Vous le mettez tout en haut dans la mansarde. You go up in the attic. Vous allez vous-même dans la mansarde. Over in a little room. Dans une petite chambre. Or down in the cellar. Ou dans la cave. And you get down there. Et alors vous vous êtes mettez là. Say thank you, Jesus. Et bien vous dites, Jésus, merci Seigneur pour être venu. You're ashamed of him before your company. Shame before your company. Oui, vous avez honte de lui devant l'assistante qui est dans votre maison. If you are, si l'on est ainsi, you ought to repent today. Vous devriez vous repentir aujourd'hui. Amen. Amen. Give Jesus. Donnez à Jésus. First place. La première place. First place. La première place. First in life. La première dans la vie. First your best. D'abord votre vie. Not your second. Ce que vous avez de mieux, non pas ce que vous avez en second. Your first.
la première valeur. Seek ye first the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. All things will be added. Et les toutes autres choses vous seront données par surcroît. But do you let him set back? Mais lorsque est-ce que vous le laissez s'asseoir derrière? When you're talking to your boss. Lorsque vous parlez à votre directeur. And Jesus comes down. Et Jésus descend. And he wants you to testify to him. Et voudrait que vous témoigniez de lui. And tell your boss. Et voudrait que vous disiez à votre directeur. That the love of God's in your heart. Que l'amour de Dieu est dans votre cœur. Are you ashamed of him? Avez-vous honte de lui? Do you give him a little corner? Est-ce que vous lui donnez simplement un petit coin? I might ask this to Jesus. Je pourrais demander ceci à Jésus. Jesus? Jésus? Will you take second place? Veux-tu prendre la deuxième place? Yeah. Oui. Would you take third place? Prendriez-vous la troisième place? Yeah. Oui. Will you take fifth place? Prendrais-tu la cinquième place? Yeah. Oui. I'll come anyhow. Eh bien, je viendrai de toute façon. You think your neighbor would come if he'd taken fifth place? Vous croyez que votre voisin viendrait aussi s'il prenait la cinquième place? No. Non. That's what makes me love him. C'est ça qui fait que je l'aime. Makes me to know he's the God of heaven. Ce qui fait que je sais qu'il est le Dieu du ciel. He'll take any place. Il prendra n'importe quelle place. Alléluia. That man will give him. Cet homme. That man will give him. Il prendra toute place que l'homme voudra lui donner. Some of you people. C'est quelques-uns parmi vous. Just go to church once a year. Vont à l'église simplement une fois par an. Oh my. Oh là là. It's Easter morning. C'est ça, c'est le jour de Pâques. You put on your most charming garment. Vous mettez vos meilleurs vêtements. Your beautiful hat. Votre merveilleux chapeau. And you go down to church. Et vous allez à l'église. And you sit 20 minutes. Et vous vous asseyez pendant 20 minutes. And you come back. Et lorsque vous revenez, you said that settles it. Vous dites la question est réglée jusqu'à la Pâque prochaine. Does Jesus accept it? Est-ce que Jésus l'accepte? Amen. Amen. Yes. Oui. He accepts it. Il l'accepte. Any place you give him. N'importe quelle place que vous lui donniez. He will accept it. Il l'acceptera. He'll never rebuke you. Et il ne vous reprochera jamais rien. He will give you. Il vous donnera. Il était trop occupé avec d'autres personnes. Yes. Oui. We have other things too. Nous aussi, nous avons d'autres choses. We think for part. Que nous croyons plus importantes. My brother. Mon frère. My sister. Ma sœur. The most important thing in your life. La chose la plus importante de votre vie. Is to entertain Jesus Christ. Consiste à recevoir Jésus-Christ. You believe that? Vous le croyez cela? Amen. Amen. I believe. Je crois. That the most important thing. Que la chose la plus importante. In any life. Dans toute vie. Is to entertain Jesus Christ. Consiste à recevoir Jésus-Christ. Properly. D'une manière normale. In first place. Et dans la première place. In your worship. Dans votre adoration. First place in your life. Première place dans votre vie. First place in everything. Première place en tout. Jesus Christ deserves that place. Jésus-Christ mérite cette place. Amen. Amen. I believe it with all my heart. Je le crois de tout mon cœur. But if you don't. Mais si vous ne faites pas cela. He'll take second place. Il prendra la deuxième place. He'll go down the basement with you. Il ira dans la cave avec vous. If you're ashamed of him. Si vous avez honte de lui. When you're out among the people. Lorsque vous êtes avec les autres gens. Then you go down the basement. Alors vous allez dans la cave. So nobody will see you. Afin que personne ne vous voie. He'll still come. Il viendra quand même. That ought to make you love him. Ça devrait vous faire l'aimer. Above everything in the world. Au-dessus de tout ce qu'il y a au monde. Jésus. Second place. Avec la deuxième place. Jesus. Jésus. With fourth place. Avec la quatrième place. Jesus. Jésus. With tenth place. Avec la dixième place. But still he comes. Mais il vient quand même. You invited him. Vous l'avez invité. And that's what you do in church a lot of times. C'est ce que vous faites souvent dans l'église. Listen. Écoutez. I want to say this with reverence. Je désire vous dire ceci avec respect. You call for revival. And you pray hard. Et vous priez fortement. And then when the Holy Spirit intensément. Comes in, et lorsque le Saint-Esprit vient, you cast it off. Vous le rejetez. I don't want none of that. Je ne veux rien de cela. That's holy rollers. Non, ça c'est de l'extravagance. You are setting Jesus. Vous êtes en train de mettre Jésus de côté. When somebody testifies to being healed, lorsque quelqu'un témoigne d'avoir été guéri, you're ashamed. Vous avez honte. Oh, I don't know her. Oh, je ne la connais pas, elle. Stand with her. Moi, je ne veux pas me tenir avec you elle. To give Christ your first place. Vous devriez donner à Christ votre première place, alors. And by that person. Tenez-vous près de cette personne, my brother. Disant, ça, c'est mon frère. Jesus too. C'est qu'il a été sauvé he par Jésus aussi. Place. Il a la première place. No matter what anybody else says, que quoi que disent les autres, give Jesus first. Donnez à Jésus la première place. Amen. Amen. That's what we want to do. C'est ce que nous voulons faire. Always. Toujours. But here's Jesus. Mais voici Jésus. Sitting over there. Qui se tient là-bas, au loin. Look at him. Regardez-le. Oh, he was unpleasant. Oh, il était mal à l'aise.
All the people, tous les gens, as the Easterners do, comme ceux de l'Orient font, usually gap around, looking on, regardent autour d'eux et hundreds are standing around. Des centaines sont là autour qui regardent. Here was big Pharisee, et voici le grand pharisien talking to Dr. Jones, qui parlait à Dr. Jones. And poor Jesus, et le pauvre Jésus sitting over there, qui se trouvait tout là-bas with dirty feet, avec des pieds sales, unanointed face, sans que son visage ait été lavé, et des lèvres qu'on n'avait pas baisées. Oh, what a sight. Quelle chose pathétique. Think of it. Pensez-y. Jésus with dirty feet. Avec des pieds sales. Jésus. Dirty feet. Jésus avec des pieds sales. Oh, it's got something to me. Oh, cela fait quelque chose en that moi. Big Pharisee. Ce gros pharisien. Ask my Lord to come. A demandé à mon Seigneur de venir. And let him sit over there with that dung on his feet. Et l'a laissé là avec cette poussière sur ses pieds. Wouldn't give him any oil. N'a pas voulu lui donner de l'huile. Let him sit there stinking. L'a laissé là sentant mauvais. Et désagréable, l'apparence est non rafraîchie et sans bienvenue. And all them looking on. Et tous ces gens qui regardent. Look at. Oh, regardez-le. Oh, God. Oh Dieu. Have mercy on this sinful world. Et miséricorde sur ce monde de péché. What a horrible curse pride is. Quel orgueil de maudit. Oh, you're too good. Oh, vous êtes trop bon, dites bon, oui. We go to a church that knows better than that. Nous allons à une église we qui sait bien here. Mieux que ça. Ah, we're not going to do it that. Non, nous ne faisons pas cela, nous. Pharisiens, Jesus is in your town. Jésus est dans votre ville. Amen. Amen. Entertaining. Recevez-le. Love him. Accordez-lui la bienvenue. And aimez-le. Embrassez-le. And love him. Et aimez-le. Oh, I've seen sitting there. Oh, il semble que étant là, je le vois, Jésus, sa he's tête inclinée. Il est généralement sans bienvenue parmi les they riches. Got so much of the world. Ils ont trop du monde. They don't have time for Jesus. Ils n'ont pas de temps pour Jésus. Religious orders. De grands ordres religieux. They don't have time for him. N'ont pas de temps pour so lui. There he sat. Alors le voilà, il se tient là. Unwashed feet. Avec les pieds non lavés. Nobody paying any attention to him. Personne ne fait attention à lui. I can imagine Peter and John, je peux imaginer Pierre et Jean disciples, et ses disciples. They were looking at him. Ils le regardaient. But they wasn't invited. Mais eux n'étaient pas invités. They couldn't come. Ils ne pouvaient venir. Now listen close before closing. Écoutez bien avant que je ne termine. I want you to get this. Je désire que vous saisissiez ceci. In that city, dans cette ville was a prostitute. Se trouvait ma femme de mauvaise vie. A bad woman. Une femme de mauvaise vie, une prostituée. Details of that. Non, pas entrer dans les détails you know de cela. Vous savez de quoi je parle. A poor human being, un être humain, pauvre être humain, that took the wrong road, qui avait pris la mauvaise route. Many of you, beaucoup d'entre vous, point your finger at her, la désignez du doigt avec mépris. Did you ever stop to think, avez-vous jamais, vous êtes-vous jamais arrêté pour penser that some mother's daughter, que cette femme était la fille d'une maman? They can't be a fallen woman without a fallen man. On ne peut pas trouver une femme qui tombe, une prostituée, sans qu'il y ait un homme lui-même qui soit pécheur. It takes them both. Il faut qu'il soit deux. Maybe some sweetheart introduced her to this life. Some boyfriend. Peut-être un jeune homme de connaissance l'a introduit dans cette vie. Maybe he told her how he loved her. Peut-être lui a-t-il dit comme il l'aimait. Until he won her heart. Jusqu'à ce qu'il ait gagné son cœur. And then introduced her in this kind of life. Et alors il l'a introduit dans ce genre de vie. Know. Je ne sais pas. But anyhow, the Bible said she was a fallen woman. Quoi qu'il en soit, la Bible dit que c'était une femme déchue. Qui était rejetée. The churches wouldn't have her. Les églises n'en voulaient pas. They wanted nothing to do with ils ne voulaient rien avoir à faire avec elle. And I can imagine seeing her, et je la vois en pensée coming along the street, cheminant le long de la route, and she says, where's everybody at? Disant, mais où est tout le monde? The town seems to be evacuated. La ville semble déserte. And she hears a noise. Et elle entend un bruit. She hears the wine glasses tipping. Elle entend le bruit des verres à vin. Oh, ça doit être dans la maison du pharisien, là. And she goes up, et elle s'approche. And she raises up, says, what's all it about? Elle se regarde par-dessus tout ça et se demande, mais que se passe-t-il? When she comes up, lorsqu'elle arrive, I can see some man standing over to one side, je vois des hommes qui se tiennent d'un côté, all self-righteous, afin de propre justice. Look, oui, regardez. Vous avez vu? Regardez ce qui vient d'arriver. Oh, Pharisee. Pharisien. She stands up. Alors elle se tient là. She looks over. Elle regarde par-dessus les têtes. And she sees him. Elle le voit. Sitting.
Là, assis. With dirty feet. Avec des pieds sales. Unwelcome. Sans bienvenue. Oh, she couldn't stand it. Oh, elle ne pouvait supporter cela. She said, look at him. Et elle disait, mais regardez-le. Oh, she started weeping. Elle se mit à sangloter. Oh, that's not right, she mais said. Ce n'est pas juste, dit-elle. Look at him. Regardez-le. How sad he looked. Comme il est triste. He had to be invited. Il aurait dû être invité. Il devait être or invité. He wouldn't be there. Ou alors il ne serait pas là. And look at him. Il a donc été invité, mais regardez-le. Il est mal à l'aise. Ses pieds sont sales. His face is not anointed. Son visage n'a pas été lavé. Le rouge du soleil est encore sur son visage. Il est tellement, il manque tellement de bienvenue. Je ne peux supporter cela, dit-elle. I heard him preach one time. Je l'ai entendu prêcher un jour. Whosoever will, quiconque, let him come. Quiconque veut, qu'il vienne. That must have been me. Ça veut dire moi aussi cela. Away she goes. Et elle s'en va. Let's follow her. Suivons-la. I see her go down the street. Je la vois descendre la rue. Through the alley. Jusqu'à monter l'allée. Up a little creaking step. À travers des marches pendantes. Elle entre dans une chambre. She opens up a little treasure box. Elle ouvre son petit trésor. She's taking out her money. Elle sort son argent. She lays it down. Elle le pose. She said no. Elle dit non, non. I can't do it. Je ne peux pas le faire. He would know how I got this money. Il saurait comme j'ai obtenu he cet argent. Know how I got that. Il saurait comment j'ai obtenu he's cet argent. C'est un prophète. He's a seer. C'est un voyant. He know how I got il this. Saurait comment j'ai acquis I cet argent. Je ne peux pas faire ça. And she puts it back. Alors elle le remet. But she thinks again. Mais elle pense encore à nouveau. It's all I got. Elle réfléchit, mais c'est tout ce que je possède. And look at him. Et regardez-le. Oh, I want to do something oh, il faut que je fasse quelque chose pour lui. I wish you could get that attitude. Oh, je voudrais que vous ayez, vous, cette attitude. You look at him today. Si vous le regardez aujourd'hui, even the sick, guérissant les malades, saving the lost, sauvant les perdus, and we sit around indifferent about et nous sommes là, assis indifférents à tout cela, let's do something. Faisons quelque chose. Show him he's welcome. Montrez-lui qu'il est le bienvenu. Now look at her then. Et regardez. She weeps. Regardez cette femme, elle pleure. She's so sorry for her life. Elle a tant de tristesse. But everybody's turned her down. Mais tout le monde l'a rejetée. And she says, surely he won't mind. Elle dit, sûrement, il ça ne lui fera rien. There's something about women. Il y a quelque chose chez une femme a little different than man. Qui est différente de chez les hommes. Usually she's got a high instinct. Généralement, elle a une sorte d'instinct. I would that she would use it for God. Ah, je voudrais qu'elle l'utilise pour Dieu. She gets her point. Elle comprend quelque chose. Elle comprend quelque chose et reste sur cette chose. Je vois qu'elle met cela dans un bas, qu'elle rassemble ses vêtements. Elle remonte son col. Down the street she goes. Descend la rue. She goes into a perfume shop. Elle va dans une parfumerie. There's an old fellow sitting there. Et il y a un vieux bonhomme qui se tient là. Saying, ah! Ah, madame. Well, the business has been bad today. Ah, les affaires sont allées mal aujourd'hui. I haven't even made the rent. Je n'ai même pas reçu assez pour payer le loyer. And here comes this woman in. Et voici cette femme qui entre. Ah, she, he comes out. Il sort. He don't act nice. Et il n'agit pas bien, lui. Il ne lui dit pas bonsoir. Qu'est-ce que je puis faire pour vous, madame? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, je désire le meilleur parfum que vous puissiez me donner. Elle dépose l'argent. Lorsqu'il entend le bruit de l'argent. Ah, ça, ce n'est pas la même chose. Alors, voyons combien vous avez. Elle compte son argent. 280 deniers romains. Et c'est juste assez. Alors, lui donne le parfum. Et je l'entends dire. Je me demande où elle va. Je me demande ce qu'elle va faire avec ça. She had. C'était le dernier sou qu'elle possédait. But she knew it. Elle savait ce qu'elle allait and faire, she elle. Knew. Elle savait he was deserving of the best. Qu'il méritait ce qu'il y avait de mieux. She never said, give me a good one. Elle n'a jamais dit, donne-moi... She never said, give me a good one. Elle n'a pas demandé, donne-moi un beau parfum. She said, give me the best you got. Elle lui a dit, donnez-moi le meilleur que vous ayez. Praise God. Loué soit Dieu. That's what we ought to do. C'est ce que nous avons à faire, nous. Lui donner le mieux qu'il y a. The youth of your life. La jeunesse de votre vie. The best of your life. Le meilleur de votre vie. Praise of your lips. La louange de vos... Notice. Regardez, comprenez ceci.
Voici, voici. She comes up. Elle avance. She looks in there. Elle regarde à nouveau dans la maison. Now she sees him over there. Et elle le voit là-bas. So miserable. Si triste. Now she's not welcome. Elle n'est pas bienvenue, elle. She'll probably throw her out. Oh, peut-être va-t-on la rejeter dehors. There she goes. Mais voici, elle vient. Et on voit your way. Se frayant un chemin. Trying to get to Jesus. S'efforçant d'arriver jusque Jésus. Did you do the same? Avez-vous fait la même chose? Would you help on your way to your critics? Voulez-vous ainsi frayer un chemin à travers les critiques? Would you help on your way to let your unbelief? Voulez-vous frayer votre chemin à travers votre incrédulité? Voulez-vous afin que vous arriviez à Jésus pour être guéri? Voulez-vous pousser de côté toutes choses? All the criticism? Toutes les critiques? All the unbelief? Toute la crédulité? Help on your way? Frayer votre chemin violemment? Ah, la voici qui vient. That you can come. Elle a dit, il a dit, vous pouvez venir. Get through the crowd. À traverser la foule. Until she got to him. Et alors, on lui a dit qu'elle pouvait venir jusqu'à ce qu'elle parvienne jusqu'à lui. Et là, elle se tenait. Weeping. Sanglotant. She couldn't hold herself. Elle ne pouvait se retenir. Tears was running down her cheeks. Les larmes coulaient sur ses joues. She fell down at his feet. Elle se prosterna à ses pieds. The tears running down her. Les larmes coulant sur son visage. She tried to stand up. Elle s'efforça de se lever. She couldn't do it. Elle ne pouvait plus le faire. Oh, the tears. Oh, les larmes running down her cheeks. Coulant sur ses joues. And the first thing you know, et la première chose, she said, I must be beside myself. Elle a dit, je dois être hors de moi. Oh, that you would get beside yourself. Oh, que vous soyez hors de vous-même. Listen, brother. Écoutez, frère. I wish the Christian church, j'aimerais que l'église chrétienne, would get beside themselves long enough to get saved. Sorte d'elle-même, soit hors d'elle-même, pour être sauvée, pour que les gens soient sauvés. Sure, she broke all the rules. Mais bien sûr, elle a brisé toutes les règles. Who cares about the rules? Mais qu'importe les règles? Let's get to Christ. Venons à Christ. We don't care about the church rules. Peu nous importe les règles de l'Église. Let's get to Jesus. Venons à Jésus. Oh, when I come to him. Oh, lorsque je viens à lui. I broke every church rule. J'ai tout. Lorsque je suis venu à lui, j'ai rompu toutes les règles d'Église. J'ai crié, j'ai sangloté, j'étais hors de moi. I was by Jesus. J'étais avec Jésus. Therefore, this poor woman was standing. Et c'est là où était cette pauvre femme. God, that we could stand there. Oh Dieu, que nous puissions nous-mêmes nous tenir there là. Là, elle se tenait. The only one could forgive her. Et le seul qui put lui la pardonner. Maybe the last c'était son occasion de le recevoir, peut-être la dernière. The only one could take her stain le seul away. Qui pouvait ôter la tâche. The only fountain that could help la seule fontaine qui pouvait and l'aider. She was so sorry. Elle était si triste. And she was weeping. Et elle pleurait. And she got beside herself. Et elle était hors d'elle-même. And as the tears et qu'à mesure que les larmes tombaient sur ses she pieds, was rubbing his feet. Elle caressait ses pieds. Oh, she was so sorry. Et elle était si triste. She was washing his feet with her tears. Elle lavait ses pieds avec ses larmes. What a beautiful water. Quelle belle eau. Better than Pharisee could have given. Beaucoup plus belle que celle que pouvait donner le Pharisien. Les larmes d'un pécheur repentant. Lavant les pieds sales de Jésus. Alléluia. The dirty feet of Jesus. Les pieds sales de Jésus. The world stands back. Le monde se tient dans l'arrière. Oh, regardez-moi ces gens pieux qui roulent. Mais les larmes des pécheurs. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te croyons. Tout l'évangile entier. Et la voici. Brisée. Tout ce qu'elle avait. Tout son argent avait été dépensé. Et la voici. Sanglotant. Lavant ses pieds. Et regardez ceci. Quelque chose s'est produit. She had her hair all fixed up. Elle avait ses cheveux tout, une coiffure and it fell down. Assez compliquée et ses cheveux tombèrent. Oh, she took her hair. Elle prit ses cheveux, sa chevelure. Beside herself. Elle était dehors d'elle-même. She was so happy. Elle était si heureuse. She was wiping his feet with her hair. Elle essuyait ses cheveux avec avec ses cheveux. Some women today have a hard time doing that. Vous avez aujourd'hui, les femmes auraient beaucoup de mal à faire ça. Don't cut it all off. On les a toutes coupées. You have to stand on your head to do that. Il aurait fallu se tenir sur ses pieds, sur sa tête pour faire ça. It's a shame. C'est une honte. The Bible said. La Bible dit. That a woman's hair. Que la chevelure d'une femme. Is her glory. C'est sa gloire. That's what the Bible said. C'est ce que déclare la Bible. Too bad you cut your glory off. C'est vraiment tellement. C'est si mal que vous ayez coupé votre gloire.
ce dont vous avez besoin ici. It's a good old time Holy Ghost revival. C'est un vrai réveil du Saint-Esprit. Amen. Amen. Not only here. Non pas seulement ici, but the whole world. Mais le monde entier en a besoin. The old-fashioned gospel shaking again. Un vrai, véritable réveil de l'Évangile. Retournons vers l'Évangile. The Bible said that was her glory. La parole de Dieu dit Look que c'est sa couronne de gloire. Regardez cette pauvre prostituée. Tout l'argent qu'elle avait. Qui était là dans cette sorte de basse albâtre. Les larmes de ses yeux. Furnishing the water. Constituant the l'eau only, de lavement. The only decent thing she had. La seule chose de valeur qu'elle posséda, c'était sa chevelure, her glory, sa couronne de gloire. Et cela tomba aux pieds de Jésus. God, oh Dieu! Lay your glory. Mets ta gloire. Everything. Tout. At the feet of Jesus. Aux pieds de Jésus. That's what you want to do. C'est cela que vous avez à faire. He's in your city. Il est dans votre ville. He's in your midst. Il est au milieu de vous. Don't be different towards him. Ne soyez pas différent vers lui. Believe him. Crois en lui. Aime-le. And she washed his feet. Et elle lava ses and pieds. Wiped them with et les essuya avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Now, écoutez-moi maintenant. She picks up the speaker box. Elle prend le vase d'albâtre. She breaks the top. Elle brise le dessus. She just can't hardly stand up. Et c'est à peine si elle peut se tenir debout. Elle se penche. And about that time, et à ce moment, oh, Pharisee. Oh, le pharisien. Oh, he turned white. Il devint blême. Then his face turned red with rage. Son visage devint rouge de colère. Elle est en train de déranger son banquet. Alléluia. God grant. Dieu accorde que les gens sont assez sincères et aiment Jésus suffisamment pour briser une forme habituelle d'adoration pour arriver jusqu'à Jésus. Vous avez besoin de lui. Et elle était là. Et M. Pharisien dit, je vois maintenant, ce n'est pas un prophète. Car s'il était prophète, he would know what kind of woman that was. Elle aurait vu quel genre de femme c'était. Self-righteous Pharisee. Ah, ce pharisien propre juste. Shame on. La honte sur lui. He said, but she'll ruin his reputation. Il dit, mais elle va ruiner ma réputation. How different it was. Combien c'était différent. Listen, écoutez. Jesus' reputation is made where sinners is. Jesus' reputation is made with sinners. Ah, la réputation de Jésus est faite avec les pécheurs. It takes sinners. Il faut qu'il y ait des pécheurs qui se rendent compte qu'ils sont pécheurs, qu'ils se rendent compte qu'ils sont perdus, qu'ils se rendent compte qu'ils sont loin de Dieu et qu'ils seront hors d'eux-mêmes et qu'ils l'adoreront. C'est de cela que fait la réputation de Jésus. C'est ainsi qu'il a fait sa réputation de cette femme paralysée l'autre soir, avec les sourds et les muets, with the blind, avec les aveugles. They get beside themselves. Ils se deviennent eux-mêmes. Probably them, don't go up there. On leur dit peut-être non, n'allez pas là. Nonsense. C'est un non-sens. Il n'y a rien là-dedans. But they get beside themselves. Mais ils sont hors d'eux-mêmes. They ils viennent de toute façon. And they press in. Et ils se pressent à l'intérieur. Ils se frayent leur chemin à travers toutes les circonstances jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jésus. Et alors sa réputation est faite. Yes. Here she was washing his feet. Oui, la voici, lavant ses pieds. Elle brisa le vase. Elle n'a pas seulement versé un petit she peu. Elle versa tout. Tout ce qu'elle possédait. Over Jesus. Sur Jésus. And all the time, et tout ce temps, she was so beside herself. Elle était si hors d'elle-même she was kissing his feet. Qu'elle en baisait, et qu'elle baisait ses pieds constamment, embrassant ses pieds. All the time. Tout le temps. Simon said, Pastor. Simon dit, Maître, if you only knew what kind of woman that was, si tu savais seulement quel genre de femme t'es, Jesus said, Simon, Jésus dit, Simon, I've got something to say to j'ai you. Quelque chose à te dire. You invited me to your home. Tu m'as invité à ta maison. And you didn't wash my feet. Et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. You never give me any oil for my face. Tu ne m'as pas donné d'huile pour laver mon visage. You didn't even kiss me welcome. Tu ne m'as pas donné le baiser de bienvenue. But this poor woman, mais cette pauvre femme, ever since she's come in here, depuis qu'elle est entrée, she's continually n'a pas cessé kiss my feet, de baiser mes pieds and wash my feet with her et de laver mes pieds and wipe de ses larmes et de les essuyer avec ses then cheveux. He turns to the poor prostitute, alors il se tourne vers la pauvre prostituée, la regardant. She's standing there, elle se tient là. Her hair is dripping down, ses cheveux se tombent. Tears, les larmes couvrent ses joues. He wonder what he's gonna say.
Elle se demande ce qu'il va lui dire. Is he going to rebuke her? Est-ce qu'il va lui faire des reproches? He's saying, get out of here, you en lui disant, allez-vous-en, horrible femme. No. Non. He turned to her. Il se tourne vers elle. He's a child. Lui dit, enfant, your sins which are many, tes péchés qui sont nombreux is all forgiven sont you. Tous pardonnés. Your faith in me ta foi en moi has made you whole. T'a guéri. Oh, God. Oh Dieu. Let me stand there. Laissez-moi me tenir là. Let me stand where she stood. Laissez-moi me tenir là où elle se tenait. I'll get beside myself. Oh, je serai hors de moi. Oh, God. Oh, Dieu. It's a sinful world. Si ce monde de péché, vous pouvez seulement le voir et voulez l'adorer comme cela, then the same words would come back. Alors les mêmes paroles reviendraient. Child, enfant, your sins are forgiven. Tes péchés sont pardonnés. I probably never will be able to stand where she stood. Jamais, probablement, je ne pourrai me tenir là où elle se tenait. But one of these days, mais un de ces jours, I'm going to preach my last sermon. Je vais prêcher mon dernier sermon. La dernière goutte de transpiration tombera de mon visage. Et pour la dernière fois, les larmes obscurciront ma vue. Je me tiendrai en sa présence. Alors, je serai là. Je n'ai pas besoin d'un palais. Je n'ai pas besoin de quelque chose de grand. Je veux simplement venir jusqu'à ses pieds et le caresser un peu, l'embrasser une fois et alors me détourner. Cela suffira pour me récompenser de tout ce que j'ai fait. Prions Dieu. Jésus avec des pieds sales. Oh Dieu. Today, aujourd'hui, the world treats you the same way. Le monde te traite de la même façon. They'll invite you. On t'invitera. On a honte de toi. Oh God. Oh Dieu. How can you be so patient? Comment peux-tu être si patient? Oh merveilleux. The rose of Sharon. La rose de Sharon. The lily of the valley. Le fleur de la vallée. Come to the earth. Viens à, raised from the dead, sur cette terre ressuscité des walking morts, among us, marchant parmi nous. And people are ashamed of you. Et les gens oh, ont honte de toi, oh, Seigneur. Reçois-nous, oh, reçois-nous, Seigneur. The fountain of life, la fontaine de la vie. The sweet one, celui qui est si doux. The only one.